C'est bon. Vous avez vu le salon est dingue. La cuisine, c'est la magie. La douche là-haut, c'est la magie encore plus. Non, moi je ne fais pas n'importe quoi. Je m'arrange à ce que ma maison soit bien et pour que mes locataires soient à l'aise. Non, il s'est vraiment à l'aise. Parce que quand il a vu là, l'espace du salon là, il peut mettre même trois canapés là-bas dedans. Tu vois, non? L'espace du salon, il peut mettre trois canapés. Ça va bien suffire. Bon, plus alors que. Ah, le prix? Oui. C'est 75 000. 75 000 le mois. Et je prends 6 mois d'avance. Avec une caution d'un mois. Tu as dit 115 000. Oui, 115 000. Tu vois, la position est là. Tu es en bordure de la route. Dès que tu descends de la moto, à n'importe quelle heure, il n'y a pas les agressions ici. Bon, répète, tu sais, moi je suis un petit. Voilà. Tu me relèves. Moi je suis un petit, donc je peux prendre 30 000. Ou non, je peux prendre même 30 000, pardon seulement. Parce que quand je suis venu, non, moi je savais que non, c'était un truc que. Tu vois, non, bébé. Moi je suis un déprimé, je me bats, je suis responsable, fort et vaillant. 30 000, ça va aller. Comme tu dis là. Pardon, prends-moi 30 000. Tu fais quoi dans la vie? Moi, j'habite chez mes parents. Tu vois, non, quand. J'habite chez mes parents, mon père me gronde dès qu'il fait une petite chose comme ça. Il me gronde. Ma mère, alors, c'est la magie. Elle crie seulement. Mes oncles, ils aboient seulement. Tout le monde me gronde. Je viens ma petite amie à la maison. Tout le monde me gronde. Tout le monde me parle comme si je suis un enfant. Je suis un enfant. Regarde-moi, je suis un enfant. Il vient quitter là-bas pour venir habiter ça. Il vient lui faire quelque chose de responsable. Un homme fort et vaillant. Tu comprends, non, mon père. Tout le monde me gronde. Ok, on se estime comme si je suis un enfant. Il veut donc venir, si tu peux me laisser louer ça quand tu me viens là. Je vais acheter les bangs, les tabourets, je vais vous mettre. Je vais avoir buté. Ok, bon, ça veut donc dire que 30 000 à raison de 6 mois, avec une caution d'un mois. Bon. Je voudrais que si on peut faire comme si j'habitais là depuis, donc je donne 30 000 au mois, c'est là. Le mois prochain, je donne encore 30 000. Je veux m'aller au village comme ça pour faire les marchés, les jobs, le cacao. Oh, c'est la plus riche que le cacao. Oh, ça va, donne, tu as l'argent. Bon, laisse, il va arriver au village, tu vois, non. Il arrive au village, il commence les jobs. Tu as Orange Money? Oui, j'ai Orange Money. Voilà, il va arriver là-bas, il commence les jobs. Dès qu'il y a un petit 2 millions, on va rappeler 2 000 qui t'envoie dans le téléphone. D'accord. Ça joue non, gang, ça joue non. Ok. Tu as dit que tu fais quoi dans la vie? Bon, moi, il me débrouille, tu comprends, non? Il me débrouille, tout ce que je vois, il fait. Il me débrouille. Donc, comme je disais, il n'a pas fait le job. Tu fumes aussi? Non, moi, il ne fume pas, ça. Il ne fume pas. Pourquoi tes lèvres sont rouges et en même temps noires? Non, quand ma mère venait d'accoucher, elle mettait croix le noir. Quand elle venait m'accoucher, elle mettait croix le noir. Donc, tu as dit que tu viens de la Zanka? Bon. Bon, tu as rangé mon nom, je vais te faire le dépôt. Dès qu'il y a un petit de 2000, tu envoies ça dans le téléphone. Moi aussi, c'est rire. D'accord. Pardon, comme tu as mis Chambalou, j'ai vu ça, et puis il y aura Chambalou, il y a pas de si tu as lui, tu effaces. Non, il n'y a pas. Dès que tu viens me donner l'argent, j'efface, il n'y a pas de problème. Tu as compris? Quel est de l'argent? Oui, dès que tu donnes l'argent, c'est déjà ta chambre. C'est toi qui vas habiter là. Tu peux même plus donner ça à quelqu'un. Voilà. Dès que tu viens donner l'argent là, j'efface. C'est ce que moi, je veux entendre. C'est ce que moi, je veux entendre. D'accord. Voilà. Donc, tu dis que tu m'envoies l'argent quand demain? Oui, demain. Je vais chercher là, parfois un peu de light, avoir même l'avance même de 15 000 demain, l'avance là-bas. D'accord. Là, j'achète quelque, même le tabouret, le banc. Si tu as quelqu'un qui vend les tabourets quelque part là, tu me fais signe, on prend chez la personne. Okay. Voilà. Ok, merci. Au téléphone alors, non? Oui. Okay. Donc, bonne journée. Ok, merci, j'ai pris. Merci. C'est déjà ton studio. Merci. Que Dieu vous bénisse. Merci. Non, ça va, ne me remercie pas. Bye. Bandit. Au voleur. Non, le ça, c'est un bandit. C'est bien, je vais vous.
Ça vous plaît, non? Oui, ça me plaît, c'est ce que je cherchais, ça me convient. Mais... Vous avez regardé les toilettes? Oui, j'ai regardé les toilettes, c'est propre. Parce que l'ancien locataire qui était là, il m'avait cassé les pots. J'étais obligé de rénover tout ça. Même les carreaux, je ne sais pas où, il partait seulement piler là-bas aux toilettes. Vous avez vu comment les carreaux sont nouvellement mis? Non, j'ai vu, c'est bien, c'est propre, ça me convient. Et le prix? Le prix, c'est 75 000 le mois. 75 000? Oui, je prends 6 mois avec une caution d'un mois. 75 000, c'est pas un peu trop? Non, non, madame. Si vous connaissez comment on fait pour construire une maison, le bâton aujourd'hui coûte combien? L'entretien de la maison, les gens vont te casser les vitres, c'est toi qui changes. Donc il faut aussi comprendre les bailleurs. Si c'était pas baisse, moi c'est bon. Non, madame. Si c'était que je devais baisser le prix, si vous n'avez même pas trouvé le studio aussi. Et dit, si c'était seulement que je devais baisser le prix, c'est que vous n'avez. Regardez aussi les avantages qui sont là, d'habiter quelque part. Vous voyez, vous êtes à proximité de la route. À n'importe quelle heure, vous entrez chez vous, il n'y a même pas d'agression ici. Hein? Baisse encore le prix. Non. Maman, je suis en train de te dire que s'il fallait baisser le prix là, si ce n'était qu'au niveau du prix que je dois baisser, si vous n'avez même pas trouvé. Je comprends, mais essaye aussi de me dire 50 000, c'est pas bon. Non, si c'était à 50 000, ça ne serait plus là. Ça ne serait plus là. Si vous avez tout ce que je peux encore faire là, je peux peut-être que vous laissez ça à 70 000. Je vais vous donner 6 mois avec la caution. Ok, 70 000, c'est bon. Ok, c'est bon. C'est bon. D'accord. Ça veut dire que 6 mois avec une caution de plus d'un mois. D'accord, pas de problème. Ok. Et vous avez l'argent, bien vous allez venir payer après. Comment, vous faites comment? Je vais venir payer après. Il fallait que je regarde. Vous allez venir payer quand? Demain. Non, ce soir c'est bon parce que le studio s'y est courtisé. Il y a les gens qui passent là en longueur de journée, les gens viennent. Donc si vous perdez le temps, moi je vais donner au plus de temps. Ok, je vais aller faire l'effort de passer le soir. D'accord. Bon, en passant, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je travaille. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Vous travaillez quoi? Je travaille, non? Vous travaillez quoi? Vous faites quoi concrètement? Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce qui vous occupe? Parce que je dois savoir ce que vous faites pour que je n'ai pas les problèmes demain que bailleur, vous voyez, permettez-moi, excusez-moi le mois-ci. Je dois donc savoir qui va entrer chez moi et ce que vous faites. Faites votre problème et je vais payer son argent. J'ai eu une situation là. J'ai d'abord eu un enfant avec mon premier gars, il m'a abandonné avec les un enfant là, j'ai encore eu le deuxième enfant, il m'a toujours abandonné, troisième enfant, il m'a toujours abandonné. Et oui, j'ai eu aussi les jumeaux, donc ça fait 6 ans. Et c'est comme si j'ai un retard et j'ai ma soeur, une amie quoi, elle a son truc là, donc je sors de 22h jusqu'à 6h du matin. C'est mon travail là-bas. Donc, j'ai les petits ouah là, quand je sors là de 22h, je rentre à 6h, je peux ramener 50 000 le jour que ça ne donne pas, je peux ramener 30 000. Donc, c'est un peu ça. Madame, puisque vous bavardez là depuis, vous ne m'avez pas encore dit jusqu'ici qu'est-ce que vous faites dans la vie. Vous travaillez au snack bar, vous travaillez au restaurant, vous me dites seulement je sors à 22h, je rentre à 6h, je rentre à 50 000. Je ne vous ai pas demandé combien vous gagnez. Je veux me rassurer que j'aurai mon argent tous les fins du mois. Oui, toutes les fins du mois. Je ne travaille pas au snack bar, non, je ne travaille non plus au restaurant, mais je travaille. Je travaille. Je lui ai dit que non, j'ai une amie qui a son petit truc là, que je sois à 22h, je rentre à 6h le matin ou 7h. Vous voulez que je vous explique comment c'est mon travail là-bas? Madame, votre travail, vous faites quoi? Vous travaillez dans la rue, vous êtes une vendeuse de piments. Donc, si je comprends, vous êtes une vendeuse de piments, c'est ça que vous ne voulez pas dire. Dites-moi que vous vendez le piment, vous travaillez dans la rue. Avec... Et maintenant, vous voulez que je vous mette chez moi? Non, nous nous transformons en benzodium, que les hommes viennent coucher ici, que j'entends coucher avec toi ici, là, que j'entends les cris des hommes ici. Avec tous les enfants que j'ai, que je vous ai cités là, si je ne fais pas ça, je vais m'en sortir comment avec les enfants. Ah. Les pères ont abandonné les enfants, je suis obligée de faire dans ça, sinon je ne peux pas m'en sortir. Et l'essentiel, c'est que je dois vous payer, vous n'avez pas à regarder ce que je fais. J'ai à regarder ce que tu fais. Non, non. J'ai à regarder, parce que si tu viens avec les hommes ici là,
L'État va venir dire que j'ai déjà ouvert l'auberge ici, mais que je dois payer les impôts pour l'auberge. Moi, je ne veux pas les problèmes, madame, je ne peux pas vous prendre. Tu veux ton argent ou tu ne veux pas? Je veux mon argent, mais je veux l'argent. Mais je ne veux pas l'argent à tout prix et à tous les prix. Ce n'est pas que tu vas venir ici là transformer ma maison en du n'importe quoi. Nous, maman, je dis, bon, démon, va, tu viens laisser les démons ici. Une femme qui charge les hommes de Dieu. C'est pourquoi ta vie part de mal en pire. Tu as un homme, un enfant. Maintenant, tu as le retard. Je suis sûr que tu ne connais même pas celui qui t'est aussi enceinté. C'est chez moi que tu veux venir transformer. C'est parce que je raconte les gens irresponsables. Toi-même, tu es irresponsable. Jamais. Si. Jamais. Si je me retrouve maintenant à le faire, c'est parce que tous les hommes que j'ai rencontrés n'ont jamais été sérieux. Tu ne peux pas aller au village. Je n'ai pas fait qu'au village. Tu fais quoi en ville? Je n'ai pas fait qu'au village. Bon, maintenant, où tu étais là-bas, pourquoi tu veux quitter où tu étais d'abord? Tu veux quitter où tu étais, pourquoi? Parce que là-bas, la charge et la maison, là où je payais, c'était un peu plus... Tu vois, un peu... C'était un peu plus quoi? C'était un peu plus... Maintenant, pourquoi tu veux quitter où tu habitais d'abord? Non, je vais quitter parce que là-bas, en fait, c'était une chambre. Et je dormais serré avec les enfants. Et à chaque fois que je venais, un gars venait me rendre visite. Les enfants... Faut dire qu'un gars venait te faire. Faut dire que chaque fois qu'un gars venait te faire, un gars venait te rendre visite. Le problème là-dedans, c'est où? À chaque fois qu'un gars venait me rendre visite, les enfants se réveillaient même dans la nuit. Et puis, c'était pas bon. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé de prendre le studio. Ah, c'est pour ça que tu as décidé de prendre le studio pour venir faire la même chose que tu faisais de l'autre côté. Tu veux ramener les hommes ici, là, le défilé des hommes. Madame, je suis désolé. La maison, ce n'est plus à louer. Mon studio n'est plus à louer. Ok, moi je vois que toi tu ne cherches, toi tu ne veux pas l'argent. Je veux pas l'argent sale. Non, tu ne veux pas l'argent. Je ne veux pas l'argent sale. Parce que si je te mets ici même, je suis un croyant. Je suis un croyant, même le Seigneur va me condamner. Il est écrit dans la Bible, tu l'encourageras par la prostitution. Je ne connais plus le verset, mais c'est dans la Bible. Tu l'encourageras par la prostitution, madame. Je suis désolé, la maison n'est plus à louer. Donc, tu es sûr que si moi-même je suis là, toi-même tu ne vas pas demander. Zama, je vais demander quoi? Ça quelque va, chose que les gens ont déjà cogné partout. Ce n'est plus à louer. Tu me perds même le temps. Ce n'est plus à louer. Oui, ça va. C'est un bordel. Bordel, Nina, tu dis Yama, bordel, Riva, bordel. C'est bon, non? Voilà. Je vous ai dit que vous ne serez pas déçus. Oui, monsieur, c'est 75 000 au moins le studio. Je prends 6 mois avec un mois de caution. Mais c'est pas un problème parce que tout me va bien. Donc, voilà. Je serai tranquille pour mon business qui est fait. Si c'est pas indiscret, vous faites quoi dans la vie? Moi, je suis un homme d'affaires, fait dans les affaires. Quel genre d'affaires? Tu sais, moi, je fais dans les affaires et ce que moi, je fais, c'est tellement risqué. Donc, moi, je ne peux pas te donner tous les détails. Donc, tu dois comprendre comme ça. Donc, si on est d'accord, je compte ton argent et puis, donc, tu as dit combien le mois? 115 000 euros. 115 000 fois combien? 6 mois avec un mois de caution. Non, il n'y a pas un souci. Donc, si on est d'accord, là, je compte ton argent et te donne le reste là. Non, le problème n'est pas que le reste là ne me regarde pas. Je dois quand même savoir qui habite chez moi. Vous dites que vous faites dans les affaires et c'est risqué. Oui. Et puis, vous me dites que ça ne me regarde pas. Je dois m'inquiéter. Je dois connaître qui vit chez moi. Parce que ce qu'elle fait est tellement dangereux. Donc. Ça ne vaut pas la peine de t'effrayer, donc c'est pour ça que je dis que moi... Je suis pas effrayé, c'est pourquoi je dis donc que je dois connaître, avant bien que vous m'habitez ici, vous devez me dire exactement ce que vous faites. Hein? Bon, comme tu veux à tout prix savoir, moi je travaille la cire. Et tu sais que la cire, c'est pas bon pour tout le monde. Tu travailles avec la cire comment? Tu mets la cire dans les batteries ou comment? Non, ce n'est pas ça. Comprends juste qu'il travaille la cire. Donc, si on est d'accord, compte ton argent et te donne parce que je n'ai pas un problème d'argent. Il te verse ton argent. Non, attends. Le problème, c'est que ce n'est pas un problème. C'est, ça devient déjà que c'est un problème. Tu as dit 75 000 fois. Non. Plus un mois de caution. Non. Monsieur, qu'est-ce que tu me veux encore? Monsieur, vous ne pouvez pas me dire que vous travaillez avec l'acide. Ou que ce soit acide, tu viens brûler, tu brûles les gens. C'est quoi? Qu'est-ce que tu fais avec l'acide?
Tu dois savoir, tu vas venir brûler ma maison avec l'acide ou quoi. Tu vas venir me brûler avec l'acide. Non, je ne veux pas te brûler parce que parfois, je peux venir même avec 10 sacs, 15 sacs. Donc, je fais ce que j'ai à faire. Et puis, je suis tranquille parce que quand je vois le coin, tout ça, je vois que ça va marcher pour me donner ce qu'il fait. Donc, c'est pour l'argent. C'est que j'ai longuement réfléchi. Il y a une dame qui m'a avancé l'argent ici, là, hier. Donc, j'ai encaissé l'argent d'une dame. Je ne sais pas. Je voulais vous dire ça quand vous êtes arrivé. Que le studio, si on a déjà vu. Donc, je m'excuse pour le dérangement. Il y a une femme qui a. Tu ne veux pas mon argent? Non, ce n'est pas que je ne veux pas. Le problème, c'est l'acide qui est derrière l'argent. La femme, là, t'a baissé combien? Elle a donné 8 mois. 8 mois. Mm-hmm. Et te donne 12 ans. Ça te va. Je te paye même 80 000 pour les 75 000 que tu dis. Monsieur, on se comprend pas bien. Tu veux qu'on se comprenne. Vous dites que vous faites dans l'acide. Quand je vous demande que qu'est-ce que vous faites avec l'acide, ce n'est plus ça. Ce n'est plus que vous faites avec l'acide. Vous dites que vous venez avec 3 sacs, 4 sacs. Dès que vous finissez de l'acide. L'autre, là, ne te regarde pas. Ça me regarde. Ça me regarde. Bref, je ne loue plus le studio. Ce n'est plus à louer. Ce n'est plus à louer. Tu refuses. Ce n'est plus à louer. Ce n'est pas que je refuse, ce n'est plus à louer. Je dois encore. Il y a la peinture là que je dois encore changer. Je dois encore changer. C'est l'argent. C'est encore une fois de plus l'argent. C'est l'argent. Non, je ne loue plus. Je ne loue plus. Alors, descendez là en bas, il y a les studios à louer là en bas, quelque part. Ok. C'est comme ça. Monsieur, il vend les ossements humains. Il vend les ossements. Ça vous plaît? Oui, la maison, elle me convient parfaitement. D'accord. Vous avez regardé les toilettes. C'est exactement ce qu'on cherche. Tout est bien fait. Elle est propre. Mm-hmm. Ok. C'est 75 000 francs le mois. Et puis, je prends 6 mois et une caution d'un mois. Donc, ça fait au total 7 mois alors? Non, pas 7 mois. La caution, c'est que si vous cassez quelque chose, je réduis quand vous sortez, je réduis ça dans la caution. Et si vous ne. Elle est remboursable, la caution. Hein? Elle est remboursable. Mais la caution est équivalente au prix de loyer, non? Oui. La raison pour laquelle je parlais de 7 mois. Bon, si vous voulez. D'accord. Vous allez habiter là ensemble. Bien sûr. Ça vous dérange. Bon, pourquoi vous voulez habiter là ensemble? Parce que nous sommes ensemble. Vous êtes ensemble comment? Vous êtes ensemble. Parce qu'on va rester ici. Mais demande comment vous êtes ensemble. Vous êtes sœur, copine. Vous posez trop de questions. Vous n'avez jamais vu les gens habiter ensemble. Nous sommes ensemble. D'accord. Vous faites quoi dans la vie? On travaille. Vous travaillez quoi? C'est vague. On travaille. Parce qu'il faut que je dois savoir qui habite chez moi et ce que vous faites. Pour que je ne me retrouve pas avec les problèmes comme avant que Bayer, tu sais le moins si je n'ai rien. Bayer, ça me fatigue. Pensez aussi au Bayer. Non, mais vous inquiétez pas, vous n'aurez pas de problème avec votre maison. Bayer. Nous allons vous payer chaque fin du mois. Ne vous inquiétez pas. Parlez-en là-bas, c'est quoi? Il y a quoi? Tu crains quoi? Tu as peur de quoi? Je n'ai pas peur. Peut-être que nous allons vous payer l'argent chaque fin du mois. Oh. Peut-être chaque 3 mois, on va vous payer. J'ai demandé ce que vous faites dans la vie. Nous travaillons. Bien. Nous n'avons pas de problème d'argent. Vous travaillez donc quoi? Qu'est-ce que vous faites concrètement? Vous voulez l'argent, vous ne voulez pas. Je veux l'argent, mais je veux aussi savoir ce que vous faites dans la vie. Le travail, le parking là, ça peut prendre combien de Le parking peut prendre même 2 véhicules, il n'y a pas de problème. Et il y a la sécurité. Maintenant, je veux savoir ce que vous faites dans la vie. En tout cas, nous, on fait dans tout. Dans tout comment? On travaille, tout ce qu'on va faire. Ce qu'on ne voit pas, on ne fait pas. On se débrouille. Par exemple? Mais pourquoi vous parlez? Bon, par exemple, comme tu es là, vous habitez seul. Vous êtes marié. Vous-même, vous êtes marié. Non. On peut travailler chez vous si vous avez besoin de nos services, on vient. Non, moi j'ai ma femme. J'ai une femme. J'ai ma femme. Je veux donc savoir ce que vous avez dit, vous pouvez payer. On peut venir faire le ménage même dans votre chambre.
Non, ma femme s'occupe de mon ménage. Voilà, deux heures de travail. Non, ça va, on fait un tour. Donc pour le loyer, ne vous inquiétez pas, on va même payer. Après, chaque 6 mois, pourquoi vous me touchez, il y a quoi? Pourquoi vous ne pouvez pas parler tant que vous ne faites que me toucher? Pourquoi vous paniquez? Vous êtes heureux. Pourquoi elle me cripote? Elle me cripote pourquoi? Si ma femme sort, elle voit, elle trouve comment tu me cripotes. Non, ne me touchez pas, madame. Il y a quoi? Monsieur, soyez concentré. Vous nous donnez la maison ou pas? Et vous avez dit que c'était combien encore? Il y a quoi, ne me touchez pas. Je ne loue plus. Vous êtes sensible. Je n'ai plus à louer. Approchez d'abord, pourquoi vous reculez comme ça? Ce n'est plus à louer, je dis donc la maison. On vous donne un an. Non, il y a un homme qui la maison, s'il vous plaît, surtout parce qu'elle est en bordure de route. Mm-hmm. Vous voyez, ça, elle est très bien. Le parking est assez large. Non, qu'est-ce que vous dites? Je suis donc en train de vous dire que la maison aussi que vous voyez ici là. Ce n'est pas occupé. C'est occupé, c'est l'erreur. Je vais vous enlever un truc là. Non, n'enlevez pas. N'enlevez rien. Il n'y a rien là. Il n'y a rien. Et pourquoi nous laisser visiter si c'est déjà occupé? Nous on prend. C'était l'erreur. Moi, je ne vous donne pas. Non, vous ne pouvez pas nous refuser cette maison. Je vous dis que une femme a déjà laissé son argent ici. Et... Remets son argent, tu le donnes. Pourquoi? Pourquoi comment? Parce qu'on veut prendre la maison. Vous voulez m'agresser dans ma maison? Non, on n'agresse pas. On veut la maison. Tu nous as dit que la maison était libre. Ne me touchez pas, madame. Il y a quoi? Nous sommes en train de dialoguer. Mais vous dialoguez, vous parlez. Vous avez dit que la maison est libre, non? Non. Elle qu'on paye 6 mois plus 1 mois de caution, non? Elle n'est plus libre. Elle est libre. Vous allez nous donner la maison. Nous, on doit prendre cette maison. Pourquoi? Nous avons déjà beaucoup cherché, on n'a pas vu. Il y a les maisons là-bas en bas. Celle, s'il vous plaît. Il y a les maisons en bas là-bas. Nous, on va d'abord effacer ce qu'il a écrit là-bas. Mais vous n'effacez rien. Vous n'effacez rien. Vous n'effacez pas. Ça nous plaît. La maison, s'il vous plaît, vous ne nous donnez pas. Nous, on va changer de la série. Vous allez changer de la série. On va changer la série si vous nous donnez la maison. Vous venez m'agresser dans ma maison. Il n'y a pas de problème. C'est la parole. Vous avez dit la maison est libre. Non, je n'ai pas dit que la maison est libre. Et nos corps sont déjà dedans là. Non, je n'ai pas dit. Je n'ai pas dit que je loue ma maison à deux femmes. Nous, on reste ici. Vous ne restez pas ici, madame, s'il vous plaît, madame. Vous pouvez partir. La maison nous plaît, tout nous plaît, tu nous plaît, tout ça. Qui vous plaît? Qui vous plaît? La même vous-même. Qui te plaît? La maison. Qui te plaît? La maison. Je te vois venir, qui te plaît? La maison. C'est comme ça que dès que vous avez mis les choses là, je peux voir que vous ne me touchez pas. Ne me touchez rien. Tu crois que je suis passé? Arrêtez ça, allez faire ça à la rue de la joie. Allez faire ça là-bas. Dégagez s'il vous plaît. Il n'y a pas de. Oh, partez. En tout cas, il y a même vu les toilettes là, même n'étaient même pas bien faites. Tu fais le malin avec une maison, même si elle est sale. Tu es malhonnête. Tu es malhonnête. Tu n'arrives même pas d'abord à arranger la peinture. De ta maison, je ne vous donne plus. Je ne vous donne plus. Regarde tes chaussures là-bas. Arrache d'abord la peinture. Elle met la peinture. Faut mettre la peinture avant de parler fort aux gens. Un faux bailleur. C'est même toi le bailleur. Tu es sûr que tu es le bailleur. C'est même pas lui, c'est sûr que celui qui garde le camp. Tu crois que vos banques là gonflent pour rien? C'est parce que c'est l'argent des hommes que vous mangez dehors. C'est ça qui passe se multiplier dans vos banques. C'est ça que tu as aussi pas encore mangé pour toi. Donc si tu étais un vrai homme, tu allais accepter qu'on mange l'argent du loyer, c'est là. Il a d'abord. On t'envoie. On peut faire comme ça seulement dans le vigile. Un argent immobilier. Il a accroché le cahier ici. On te touche même. Je regrette même. Et tu es laid. Qui t'a menti? Tu es laid. Là, comment il est là-bas comme le brandy, le palais. On t'a coiffé. 200. Allô? Tu vas regretter. Après. Eh, bordel! Bordel! Bordel comme ça là! Revenez encore, bordel! Moi comme ça, un homme, deux filles qui marchent ensemble, c'est sûr qu'elles sont même les Woubi. Woubi! Bordel! Je ne loue, si personne ne prend, je ne loue pas. Bordel comme ça là! Elle pense qu'elle peut me prendre. C'est qui? C'est moi et tonton. Bonjour. Bonjour tonton. Mm-hmm. Vous voulez? Je suis bien joué. Il n'y a plus. Hein? Il n'y a plus. C'est il n'y a plus. Malchance. Salaud!